Salut à tous, salut à tous les entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains, les écopreneurs. Alors, aujourd'hui, on va, dans cette première vidéo sur les idées d'éco-entrepreneuriat, les idées d'écopreneurs, aborder un sujet qui est un petit peu particulier, qui est assez original, et je vais faire des vidéos à chaque fois sur les idées d'écopreneurs dans ce domaine-là, dans ce que je peux observer dans l'environnement aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de petites brasseries qui explosent. Vraiment depuis 10 ans, il y a une explosion de micro-brasseries qui fabriquent de la bière artisanale, locale, bio, etc. Ce sont des passionnés qui produisent ces bières locales et originales, hein, c'est pour le plus grand plaisir des consommateurs qui d'ailleurs sont à la recherche de nouveaux goûts, hein, les goûts industriels, etc. étant aujourd'hui de plus en plus, enfin de moins en moins intéressants. On connaît par cœur et on a envie de nouveautés et aussi de produits sains et éthiques. C'est ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, on retrouve presque 1000 microbrasseries. Hein, ça a vraiment explosé ces dernières années. Donc des produits plus sains, plus locaux, avec un goût aussi qui va avec. Et par exemple, on a aujourd'hui plus d'une centaine de créations de microbrasseries dans l'année. Alors ça va avec l'augmentation de la consommation de la bière, hein. C'est d'ailleurs ces microbrasseries qui ont tiré un petit peu vers le haut la consommation de bière, et donc on a vraiment un développement de cette activité là. Ça peut être une activité qui peut vous intéresser, en complément d'une autre activité, en multipliant vos sources de revenus comme je vous ai expliqué, ou en activité unique, ça peut être très très intéressant. Évidemment, il y a des tensions avec les grandes brasseries industrielles qui pourtant représentent 95% du marché. Donc il y a encore beaucoup de parts de marché à prendre si on veut lancer des activités éthiques et saines dans ces domaines-là. Et maintenant, les industriels évidemment demandent la mise en place de diplômes de brasseurs, demandent la mise en place de normes sanitaires plus élevées pour écarter un petit peu ces tendances. Bon, s'ils n'arrivent pas à les écarter, de toute façon, ils vont lancer les leurs, mais ça n'empêche pas qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire dans ce côté microbrasserie. D'autant plus que la création d'emplois est très très importante dans ces secteurs-là, hein, puisque dans une microbrasserie, dans les secteurs des microbrasseries, on emploie 16 fois plus de personnel que dans les brasseries industrielles. Donc il y a vraiment là quelque chose de très 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 intéressant. Moi, ce que je voulais vous attirer aussi sur un autre sujet qui est proche de la microbrasserie, je pense que ce secteur va arriver assez vite à la saturation, où il va y avoir pas mal d'écueils aussi dans ce domaine-là, mais bon, c'est logique, c'est la production de bière à l'ortie. La bière à l'ortie, c'est une boisson que j'ai découverte il y a quelques années en organisant des cours de permaculture ici, là où j'habite, avec mon équipe. On a fabriqué cette bière à l'ortie issue d'une recette qu'une amie nous avait transmise, et c'est vraiment un produit exceptionnel. C'est un produit original, qui a beaucoup de goût, qui est naturel, qui est sain, et qui nous amène aussi des nutriments très intéressants au niveau de notre santé. Et vraiment, cette bière à l'ortie, comme d'autres bières d'ailleurs, d'autres boissons originales qu'on peut trouver dans le milieu des plantes médicinales, aromatiques et autres, eh bien, c'est vraiment très 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 intéressant. Il y a un effet de tendance qui peut être très chouette. Il y a vraiment un manque, je trouve, dans ces boissons un peu originales qu'on pourrait retrouver partout, hein. Et donc, il y a une activité à créer. Il faut savoir qu'aux États-Unis, des activités comme des microbrasseries à petite échelle de fabrication de bière à l'ortie sont en train de se lancer, sont lancées déjà et fonctionnent très 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 bien. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces secteurs-là. D'ailleurs, Johan, qui est un ancien stagiaire, vient lui aussi de s'intéresser à une niche liée à la production de bière, par exemple locale, qui est la production de houblon biologique dans une houblonnière qu'il vient de créer et qu'on soutient. Donc bravo à toi Johan, tu as eu une très très bonne idée. Là, on ira le visiter bientôt tous ensemble. Ça s'appelle la OUF. Donc voilà, quelques idées intéressantes, une idée de plus d'écopreneur pour peut-être éveiller un peu votre curiosité.